Ma mère, elle soupçonnait pas du tout ce qui m'arrivait au collège. Qu'est-ce que t'as sur la figure, toi? Il y a eu de la baston ou quoi? Elle me posait pas de questions, elle était pas très attentive. Qu'est-ce que t'as encore le squelette, c'est pas bon? J'ai pas très bien faim. Qu'est-ce que vous faites là, Bijou? J'ai raté le bus, madame. Vous n'allez pas rester là à traîner comme ça. Tu veux essayer, Marvin? Essayer quoi? D'improviser. T'appelles ça un manque, toi? Une vraie concesse, vous avez fait de lui, sérieux? Tu te prendrais la journée, t'es même pas foutu d'aller chercher Marvin? Et moi vivant, on cramera pas une goutte d'essence pour ces conneries de théâtre. Pourquoi il nous fout la honte comme ça aussi, avec sa manière de péder? Je me suis sauvé pour devenir quelqu'un d'autre. C'est-à-dire soi-même. Puisque vous êtes comme moi, bah... faites quelque chose de votre différence. Bravo! Belle éducation! Isabelle Huppert. Bonjour. Marvin, tu verras, c'est un garçon très intéressant. Mais j'en doute pas. Quel est votre rapport avec le théâtre? Je fais un seul en scène. Votre avis compte énormément pour moi. D'où ça vient, ça? D'où tu en sonnes? J'ai cogné, moi? Moi, ouais, j'étais cogné, moi. C'est nos vies que tu traînes dans la merde. T'es en train de nous tuer tous. C'est pas plutôt l'inverse? C'est pas plutôt vous qui avez essayé de me tuer, moi? Je vous aime comme vous êtes. C'est pas ce qu'on est qui compte. C'est ce qui est au fond de nous. Avant des couilles, hein, pour faire ce que t'as fait.